Bref. Alors, ce que j'aime bien dans le FMC de... De Boeing, c'est que j'ai la progression. Là, je sais pas comment on fait pour la progression. ATC, comme on n'en a pas la progression. Perf, non, ça c'est init. Y a plus rien. On n'a pas le. Alors, est-ce que c'est ça le. FL240, la température, est-ce que je la vois? Oh, pas trop. Il doit être ailleurs la température. Elle doit être ailleurs. Il suffit de savoir où. Alors, je sais pas, non, clear. Oh, moins 25, moi je dis moins 47. Ah, mais non, on n'est pas encore au top of climb. Hein. On n'est pas encore au top of climb. Alors, qu'est-ce qui est assez pratique? Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais si on appuie, qu'on veut vérifier, mais on va le voir, il va le demander après quand on sera passé à 20 000. Ah, on a passé 20 000. Alors, mémo, c'est ça? Ouais, ECAM mémo, all green. Enfin, all green, c'est rien du tout. Alors, le mémo, il est bon. Alors, MCDU, nav, autotune. Alors, on va vérifier. Rad, il a pris l'ILS IKL. Cent 9.1. Donc on vérifie. Afficher les informations. Procédure. C'est ILS Z1. Hein, Z. Le Z 109.10, c'est bon. Et c'est quoi son indicatif IKL? IKL, GSDME, IKL, c'est bien ce qu'il m'a mis là. IKL 109.10, CRS 50. Oui, ça doit être ça, puisque 50 sur l'axe de la piste. Donc ça. C'est fait. Cruise halt. On n'y est pas encore, mais on va. Prog, j'ai pas prog, camarade. Justement, progression, je l'ai pas. Weather radar tilt. Wind light off. Est-ce que j'ai les wind light moi? Ouais, je sais pas pourquoi il faut les éteindre. PU statut off, oui, mais cam, tout ça je l'ai. Hein. PU statut, Weather Radar Tilt, si je lui donne moi, je comprends rien. Seat belt signe, j'en ai pas. Ah, il arrive à l'altitude désirée. Voilà. Après, je sais pas ce qu'il a comme vitesse. Il se met en cruise automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a comme vitesse? 0.79. Je vois pas. Ça doit être ça, 0.79.
ça c'est synchronisé. Enfin, je crois, j'ai dit que c'était synchronisé, mais j'en sais rien. Si c'est pas ça, faudrait que je m'accorde hein, sur le R. Non, j'ai pas de. J'ai point de. Est-ce que c'est synchronisé? Je sais même plus ce que je cherchais. 1013. Où qu'on est là maintenant? Oh, on en a fait un petit bout quand même. Alors là, on va arriver dans une petite ville. Alors oui, ce que j'ai pas montré, c'est les images. Les images. Donc, ça, c'est l'aéroport de Kouzil, hein? Kouzil. Et donc, c'est là où qu'on va. Hein? Aussi bien ce qu'on l'avait déjà regardé. Donc la Kouzil, c'est même plus écrit, c'est écrit en russe, hein, Kouzil. Et ça, c'est un North Star. Qu'est-ce que c'est comme avion, ça? Est-ce que c'est un Antonov? Je sais pas. C'est peut-être un Antonov. Mais c'est pas un Antonov 24, je sais pas. Ah oui, c'est sympa. Hein. Ah, ça fait petite gare de province. Hein. Mais c'est sympa. Hein. Ah oui, hein, ça c'est avec les petites fleurs. Oh, c'est bien. Ah, il y a un plan quand même quand on arrive. Ça, c'est toujours les Antonov. Bon, alors je sais pas si c'est des Antonov. Ah ça c'est un Airbus ou un Aeroflot. C'est UTR, je pense. Filiale d'Aeroflot. Oula. Là il y a des vieux Antonov. Hein. Ça c'est un Antonov 24. Ça par contre c'est un gros, ça je sais pas ce que c'est, pas un Boeing, il est en... Oula, des fois c'est moins gai. Ah il était rouge avant, ah, c'est peut-être ici clair. Voilà, et les gens ils font le trajet à pied, c'est un truc de fou ça, dans la neige. Ils font le trajet à pied avec leur... je suppose quand même qu'ils tirent pas leur bagage. Oh j'adore. Qu'est-ce que j'aimerais bien y aller, mais bon. Ça doit être dur quand même. Antonov 24, toujours, je sais pas si c'est Antonov 24. Alors la ville par contre. La ville c'est ça, Kouzil. Hein. Alors Kouzil, qu'est-ce qu'on peut regarder? Dans Kouzil, il y a toute la Google, il est passé partout, hein. Même à Kouzil. Oula, 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 c'est le centre là. Oula. Alors. Ouais, ça c'est un monument, mais il n'y a pas obélisque. On va essayer de voir comment c'est à l'obélisque. C'est peut-être un peu moins. Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Oh là là.
Non, bah. Elle est là. Non, c'est un parc, ça. National Ni Park. Parc national. Un parc national de quoi? Touba Street View. National Park. Kulturi. De culture et. Odixia Rieskunikitiva. Alors, de culture et de je sais pas quoi. Ouais, mais. Pff, ça, j'aime pas trop ces vues 3D. Parce que. Bon, c'est bien, mais. Est-ce que je peux passer ça sur la vue 3D? Ah, ouais, c'est pas mal. Ça, j'avais jamais vu. Hop. Je sais plus comment on fait la vue 3D. Je sais pas. Bref, donc c'est pas mal. Comment se comporte mon avion? Il bouge pas. Ça, on le fera après. Bon. Je sais plus ce qu'avait calculé Little Nav Map. 1h14. On va arriver à Nopsi. Ah tiens, on pourrait regarder ce que c'est Nopsi. Qu'on va passer au-dessus. Il y avait un aéroport. Hein. C'est Caracevo. Non, c'est plutôt là la ville. Je sais pas. Il y a plusieurs villes. Prakafiev. Je sais pas. On va aller voir. Prakafiev. Prakafiev, Boulogne-Billancourt, oh merde. Bah oui, là on va. Alors comment c'est pas Prokofiev? Faut que je me dépêche parce que. Prokofiev. Prokofiev, c'est ça. Prokofiev. Donc on fait un petit tour, hein, puisque là on est au-dessus. Mais c'est vachement bien, hein. Moi je trouve. Les Google, ils sont passés partout. Ah, mais c'est des HLM partout, hein. Avec de la verdure, hein, partout, hein. Bon, est-ce que je peux je sais pas si on peut, j'arrive pas à voir si on peut faire du comment on fait du non, je sais pas comment on fait voilà, donc ça c'est Prakaviev. Alors c'est ici. Donc là on y arrive, ensuite on ira on commence à avoir fait un tiers peut-être. Un tiers. Qu'est-ce qu'il me dit tiens au niveau consommation? Donc on avait regardé les. On a bien regardé les îles, c'est bon.
centrage et carburant. Combien? 14 tonnes encore. Ah, je comprends. Non, oui, mais en carburant, non, 5 tonnes. Centre. 5 tonnes. Ouais. 5 tonnes. Alors, ici, il n'a pas bougé, il est toujours un down. Ça, c'est bizarre, hein. Pourtant, il est en autotrottle. Ouais, je comprends pas ça. Pareil, est-ce qu'il faut le bouger ça ou pas? Et si j'y touche, il va déconnecter le pilote automatique. Bon, il fait une petite pause hein, là. Bon, je reviens de suite. Bon, me voilà revenu avec ma tasse de thé de l'après-midi. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a passé. Qui qu'on a passé? Nos spies. Bon, on a passé nos spies. From.
76, ouais, on n'est pas encore au top of descente. Hein. Lobir. Lobir, c'est presque à 182 et encore 200 000 nautiques. Non. On n'est pas arrivé. Effectivement. J'ai pas vérifié la cohérence des. Là, on a 100 000, 140 000 nautiques. Non. Oh. 600 000. 14 000 pieds en 40 000 nautiques. On fait du 3 000 nautiques, 3 x 4, 120. Ouais. 120, il va falloir qu'il descende un peu fort. Enfin, il descend en général au-dessus de 8 000. Hein. Il descend à 10 000 ou 14 000. Donc, ça va le faire. Après, il y a 3 000 nautiques. Ça va le faire. Après 4 000 nautiques pour descendre 1 000 pieds, ça va. Bon, après c'est bon, c'est bien calculé. 145, c'est la vitesse de. Ok, donc ça c'est bon. Il n'y a pas à toucher en principe. Faire un petit tour dehors quand même. Prise, une petite photo rapide. Je vérifie encore si je suis toujours bien à 320 inversant poussée maxi sur le bouton 7 le bouton 7 pas d'image disponible mais je pense bouton 7 c'est le bon je vérifie hein. Ah non c'est pas celui-là mais je peux pas toucher. Ok, bon, a priori c'est bon. Hein. Je vérifie que j'ai bien la version de poussée maxi pour atterrir. J'ai pas regardé la longueur de un cœur de piste. Alors, on va utiliser notre abonnement Navigraph. On va aller sur Avitab. On va demander un char. Non, c'est pas ça. À chaque fois que je me gourre, c'est Airport qu'il faut faire. Et on a dit que c'était Unki. On va regarder les approches. On a dit que c'était l'ILS Z. Voilà l'ILS Z. Alors, ah, l'ILS Z. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc la prose, elle est à 5740 à KY05. Qu'est-ce que ça me dit ça? KY05, moi je serais à 6271. D'accord. Obligatoire 4420, il l'a respecté. Sur la FF05, j'aime bien, là c'est bien indiqué sur la FF05, et donc pourra déclencher sur la FF05, il me restera 5 000 nautiques. 5 000 nautiques, ça fera du. Quoi?
140, ça fera du 867. Bon, admettons. Soit on le laisse comme ça, on verra, comment j'arrive. Hein. Là, j'arrive de Ki4, Ki2. Moi, j'arriverai de je sais pas, c'est pas marqué. De Lim, de Lobir, je sais pas d'où j'arrive moi. Ki5, je sais pas d'où j'arrive. Je sais pas d'où ça arrive. Ki4, moi j'arrive de Ki3, Ki4. De Ki3, Ki4. Ki3, Ki4, d'accord, j'arrive de là moi. Ok, on va voir si ça le fait après. Enfin, si ça le fait. Si le petit avion rouge suit bien le plan, ça serait assez super, ça, je trouve. 340, toujours. Alors, 340, ça fait vite. Hein. En kilomètre heure, je sais plus combien ça fait. Là, c'est 477, c'est la vitesse au sol. Hein. Et c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est prendre ça et mettre 477 nœuds. Oh, du coup, je sais plus. Des 1000 heures. Non, des nœuds. 477 nœuds en kilomètres. Ah ouais, ça fait 800. Ouais, d'accord. Ça fait du 800 km/h, d'accord. D'accord. Alors, ah oui. Pour vérifier, je sais plus dans quel, c'est pas dans celui-là que il y a la vérification, je sais plus. Il semblait que c'était dans cet appareil que j'avais ça, que j'avais appris ça. Pour vérifier que tout dur est ouvert, il faut cliquer sur All et il va passer toutes les choses en revue. Voilà, automatiquement. Bon, APU, c'est normal. Pour vérifier que tout est bien en vert. Voilà. Voilà, et pour arrêter, il faut faire réappuyer sur All. Et il reste là où il en était. Électrique, donc on remet sur Engine. Ici, si je mets arrivé waypoint. Doctype public, ouïe, ça merde là. Update. C'est la première fois que ça me le fait. Hein. Ah, UNT, donc c'est la première fois qu'il me fait un bug sur l'affichage. Du métard de l'aéroport d'arrivée. Hein. Donc, bug. On va regarder. On avait dit ici, vue d'ensemble à Kunski, on est bien 2000, 2200, 2200 pieds. Et notre QNH sera à 1032 au lieu de 1031.
Castille, oui, c'est ça, c'est la République de Touba. Touba ou Touba? Non, c'est Tiva. Touba, Touba. Maskoyas, ça c'était une autre superbe, hein. On peut couper celui-là. On est parti, j'espère qu'il n'a pas dépassé la le top descente. C'est l'approche. Ah non, il s'en va. Il s'en va vers KY5. Il va aller direct sur KY5. Je comprends pas. Ça, c'est parce que j'ai pas eu de transition. J'ai pas pu. Je sais pas comment on fait pour. J'aurais dû la taper à la taper à la main. Et on le fait là sans transition. Le fait mais sans transition.
belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you. Alors,
chaque fois, je n'arrive pas bien à faire correctement les plans de vol. Pourquoi il l'a pas pris? Mon principe, c'est après cette chaîne. Bon, je suis encore haut là. Hein. 20 000 pieds, mais qu'est-ce qui est écrit là? Je vois pas. FS5, on voit rien du tout. Eh bien, on va voir 187. Ah, par contre, l'altitude, il trouve ça bon maintenant. C'est 2000 pieds d'écart. On va essayer de voir ce qu'il fait si je mets à 600. Alors, c'est parce qu'il s'est pas réglé là. Alors, enfin, 6006, il va se régler pour pouvoir descendre. J'aimerais bien pas me cracher dans cette magnifique chaîne de montagne. Je vois pas du tout. En principe. Oh, 3000 mètres. À 10 000, ça fait 3000 mètres. Je sais pas. Que je suis là. Bon, là je suis en plein dedans, mais je vois pas. Ben non, on n'a pas le. J'ai pas les hauteurs. Alors sans hauteur, j'ai pas les courbes. Topo map, je devrais les avoir les hauteurs, j'ai rien du tout. Enfin, ça fait un bon vol. Ça m'inquiète ces montagnes là. C'est 2200, 5000, bah, pas descendre très bas. Hein. 6006, on va voir. Alors, next, j'ai pas fait ça. Et cam mémo. Alors. Ah non mais c'est périodique check ça, c'est ça que je disais périodique check. Ça, 100 et cam presque à LDG presque à je sais pas. Alors je sais pas. De toute façon hein, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Presse cabine. C'est bon, auto break. Bah oui, auto break, c'est médium. Médium. Anti-ice. La température.
température en dessous de moins 40. Ma température, je l'avais regardé là, c'est là la température, c'est donc Condes, moins 16. Donc j'ai pas besoin d'anti-ice, anti-wing non plus, TICAS, trafic bleu, balayage. Alors, TICAS, trafic, balayage. Non, dans l'autre sens. Ah, voilà. Descente clearance, on va dire que je l'ai dit. Hein, je l'ai dit que je me suis gouré. Même c'est du plan arrival. 7. 7 Renault Star via Trans. Alors, ça, j'ai jamais essayé de. Faire Trans, on n'a pas fait, hein. J'ai merdouillé. Ah, puis en plus il va avoir de la brume, enfin du brouillard. Combien il me reste de distance? Spoiler, pas pour le moment. MCDU, MCD11, c'est check. Spoiler. Spoiler, on verra. Alors, descente. Winglight. J'ai mis tout mis ça. Si je l'ai mis le Winglight, oh, il est pénible. Ah non, pardon. Il faut mettre le Ça, par contre, je peux le mettre. On voit pas très bien. Bon, il dit que ça va. On voit pas si ça va ou si ça va pas. 134. À 900, je sais pas si on va y arriver, hein. 40